En fait, c'est une histoire qu'un vieux chef Cherokee raconte à son petit-fils. Probablement pour l'éduquer sur la nature humaine. Il lui explique qu'à l'intérieur de chaque homme, il y a deux loups qui cohabitent. L'un de ces loups est l'expression de tous les mauvais sentiments. Il est la colère, la rage, la haine, la jalousie, l'infériorité, la soif de domination, la mauvaise conscience. Alors que l'autre loup incarne les sentiments positifs. Il est l'amour, la compassion, la paix, l'harmonie, la sérénité, la tendresse, la foi. Ces deux loups existent en chacun de nous et ne cessent jamais de se battre. Alors le petit garçon demande à son grand-père, « Mais papy, à la fin, des deux loups, c'est lequel qui gagne ?» Et le vieux Cherokee répond, « Bah, c'est celui que tu nourris. » C'est celui que tu nourris.